Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé ce jeudi que son pays va retirer des permis d'exploitation minière au pays qui refuse de lui vendre du matériel de guerre ou qui bloque la livraison de ce matériel, rapporte l'Agence d'information du Burkina, EB. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources minières et vous refuserez de nous vendre des équipements militaires, ou vous les ferez bloquer. Nous n'allons pas accepter, a lancé le président burkinabé aux états qui détiennent des permis d'exploiter les minerais du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait cette déclaration ce jeudi 11 juillet à Ouagadougou en faveur d'une rencontre avec les forces vives de la nation dans la capitale burkinabé. La grande mobilisation a été l'occasion pour le chef de l'État d'expliquer davantage sa vision et ses choix pour la conduite de la transition durant le prochain quinquennat. De plus, le capitaine Traoré a indiqué que depuis son arrivée aux affaires en septembre 2022, les anciens partenaires n'ont pas contribué avec une seule cartouche à la lutte contre la nébuleuse terroriste, signale la même source. Il s'agit de l'occasion de remercier le peuple burkinabé pour sa résilience et les sacrifices consentis dans l'acquisition d'équipements militaires dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Il est important de rappeler que depuis 2015, le Burkina Faso mène une guerre farouche contre le terrorisme.